Ce matin, donc c'est dimanche, on a envie de se faire un petit déj un peu sympatoche. On a acheté des viennoiseries surgelées, pain au chocolat, croissant, à faire chauffer. C'est Marc Repère qui fait ça. Arrête! Ah, quand même! 18-20 minutes. Eh ben, il serait temps que je m'active. On va faire 2 et 2, je pense. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog quand même. Regardez, j'ai mis mon pyjama, lama. Et j'ai envie qu'on se fasse une photo, lui avec son pyjama, on va dire, Jackie et moi avec mon lama. Je vais voir, en mettant le mode retardataire, ça peut être cool. Et ben, ils ont l'air très bons, ces petites viennoiseries. Oh là là, ils sont lourds en plus, les pains au chocolat. Je vais lui faire couler son petit café et je vais aller le réveiller. C'est pas beau, ça? Ah, ils sont beaux, ouais. Ouais, je voulais ta tasse de café, s'il te plaît. Je m'attendais pas à un truc... Très beau. Avant de m'habiller, j'ai envie de me prendre une photo, c'est pour ça que je vais mettre les projos. Je vais demander à Eric qu'il me prenne en photo avec mon petit pyjama. Et après, bah, je vous montre ce que je dois vous montrer. Donc normalement, la photo, elle sera sur Insta au moment où je vous parle. Elle sera déjà mise, sauf si c'est un gros flop. Je suis en train de me demander si ça serait pas mieux avec un revêtement comme ça. Effet un peu vache, prairie. Parce que là, ça fait un peu trop ton sur ton avec le gris. Je vais tenter. Voyons, hop. Si j'allume tout, vu d'en haut, ouais, je sais pas comment il va se débrouiller, on va voir. Bon, je sais pas si ce vieil adage est vrai, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais tout refaire toute seule, je vais faire avec le, comment, retardataire, parce que là, toute la série qu'il a faite, je crois qu'il va trop vite, ça fait flou, c'est pas terrible. Je crois que c'est un réflexe, alors c'est mon téléphone, puis en fait, tu prends une photo, faut pas bouger. Donc c'est parti, parce que je veux une photo sympa et je vais l'avoir. Par contre, j'en peux plus, c'est certes tellement, je tousse depuis 5 jours. Je suis vraiment pas une tousseuse, c'est la première fois que je tousse autant. Ça fait un mois que je me traîne mon truc, ça s'arrête, ça revient, c'est une catastrophe. Demain, à la première heure, on est lundi, ouais, j'appelle le médecin, il faut absolument qu'il me soigne, je n'en peux plus. Tu peux pas dormir en fait, je tousse, mais un truc de malade, l'impression qu'il y a un truc tout le temps qui est là. J'ai dit que je ne parlais plus santé. Donc c'est parti pour le shooting parce que j'ai hâte de vous montrer ce que je dois vous montrer qui est juste là. Alors, ah bah ça m'a bien décoiffée. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont être sympas. Je fais mon petit trip plus tard dans ma journée. Mais pour l'instant, priorité, je me change et je vous montre ça. Ça y est, je suis prête. Bon, concernant mon look, j'ai tout donné. Voilà, oh, c'est dimanche, ça va. Je suis à l'aise, j'aurais pu rester en pyjama en fait, mais bon. Voilà de quoi je parle. Il s'agit d'un miroir rangement que Amazon en fait m'a proposé de recevoir. Hyper pratique. J'avais déjà eu une proposition du même style sur un autre site et j'avais bien regardé et tout. C'était pas terrible le rangement et tout, mais alors là, en plus ça arrive, t'as juste à clipser les pieds, à monter les pieds. Et vous allez voir à l'intérieur, tout est déjà monté. Franchement, c'est cool. Donc ça fait miroir, ce qui est quand même plutôt. Agréable, il n'y a pas de contour, donc ça c'est encore plus large. Hop, est-ce qu'on me voit? Je vous mets tout, hein, les liens de toute façon dans la barre d'infos. On a un verrou avec la petite clé qui est ici. Eric me l'a mis comme ça. Là. Sur ça, je crois qu'il y en a une deuxième d'ailleurs. Tu peux le faire pivoter ce miroir. Lui, il me l'a bloqué, je crois. Ouais, c'est ça, il me l'a bloqué là-bas. Attention, comme ça. Et à l'intérieur, je crois qu'on va, ranger ensemble. Ça peut être cool. Voilà, là, je l'ai mis face à la fenêtre. C'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux, pardon. Là, on peut mettre toutes les bagues. J'ai pas beaucoup de bagues, moi. Ici, bah, en fait, ça dépend. Excusez-moi, j'ai fait... Je me suis encore étouffé à force de tousser. Excusez-moi. Oh là là, c'est pas possible. Donc là, moi, je pense que je mettrai tous les vernis à ongles. Mais tu peux mettre aussi... Pour te démaquiller, peut-être, je sais pas. Moi, non, hein, c'est sûr que non, parce que moi, j'ai ma coiffeuse là-haut, mais voilà, c'est hyper cool. Hein. J'ai donc décidé, on a l'impression que je fume, mais non, je ne fume pas, enfin, je ne fume plus depuis un moment. Quoi, j'ai fumé il y a une semaine quand on est sorti avec les copines, et j'ai fumé genre 4 clopes dans la soirée, et pas cool du tout, parce que je vous dis, j'ai arrêté il y a maintenant. Oh, mais non, ça fait presque 3 ans, non? 2 ans et demi? Non, peut-être 3, hein. Et ouais, je change complètement de sujet. On va ranger ensemble, ça peut être cool. Ça bouge. Si ça bouge, je suis désolée, le parquet il est pas stable. Hein. Je vais commencer par... Je vais déjà ramener tout ce que j'ai. Hein, ça va être plus cool. Elle ne veut pas focus, voilà. Ceci est ma bague de fiançailles.
Et je ne la mets pas parce que, je sais pas, à chaque fois ça me gêne les bagues. Je mets pas beaucoup de bijoux, mais je l'ai mise précieusement dans ma petite boîte. Je l'aime tellement, elle est magnifique. À chaque fois, Eric il dit: ah bah super, tu ne la mets jamais. Tiens, regarde. Bah voilà, elle est belle là. Oh, je les ai jamais mis, je les avais achetés pour Saint-Martin, le mariage de mon frère. Voilà en gros, donc j'ai pas pu tout mettre parce que j'ai encore plein de bijoux à démêler, ce genre de choses, mais je voulais quand même que vous ayez un aperçu général. J'ai pas mis grand chose, hein, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, parce que la plupart des bijoux, il faut que j'arrive à tout, je vous dis, démêler. Là, c'est ce que je préfère mettre ici parce que c'est paillé pratique. Mes bagues, oh, j'ai beaucoup de... Regardez, celle-ci, ah, ça se voit pas trop, avec les oreilles de chat. Donc voilà, donc ça je ne l'ai pas rempli, mais si j'ai mis deux petits vernis qu'on se rende compte. Je vais me reculer un petit peu, mais pas trop parce qu'il y a la fenêtre, mais c'est bien pratique, hein, franchement. Je suis très contente de ce nouveau miroir rangement. Alors, j'allais m'installer bosser, c'est vrai que j'ai vu ça, ça c'est le mode d'emploi. Et la deuxième clé, c'est cool quand même. 13h59. Si j'allais manger un petit peu avant de bosser, ce serait pas mal, non? Maman, elle va manger. Mais regardez, je vous en ai parlé sur Insta. Le gars, il lâche plus ma bouillotte. Il n'y a rien dedans, mais ça doit être le côté tout doux qui lui plaît. Et regarde ce que j'ai retrouvé. Tu ne vas pas y échapper pour Noël. C'est papa, t'inquiète pas. J'ai retrouvé ton petit bonnet pour la photo de Noël. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu vas au stade? Ah mais non, c'est dans une heure. Nettoyer toutes mes manches. Mais parce qu'il veut absolument que j'aille au stade, donc c'est un de ses fils qui joue. Non, si. Non, je veux qu'il prenne l'air. Le stade, je... Non, mais pas dans un stade, il caille et tout. Bon. Madame quoi? C'est bien. Je vais me faire ça, un petit peu de taboulé avec ça. Bon, ça va jusqu'au 2, on est le 3. Elle a pas l'air moche. Ça m'embêterait de l'acheter, j'avais complètement zappé. Donc, ça va être parfait, très bien. Je me ferai bien des betteraves avec. Et regardez, ce soir, par contre, ça sera pour ce soir, je vais me faire un petit lit de match, un peu de betterave, peut-être des œufs durs, je sais pas. Et ceci, Daily Cheese Tartare. Oh, c'est des croquettes, je crois. Ça a l'air trop bon. Barquette spéciale four. Ouais, ça va être grosse régalade. Juste, hein. Je vous montre qui est-ce qui est venu. Là, ça dormait tranquillement, mais c'est plus fort que lui. Ben oui. Tant que tu n'essaies pas de voler, je ne suis pas contre. Merci. Du 5B. C'est très bon, celui-là. Ah non, tu me vends du rêve. Le gars, il est là, genre, bah. Elle est où, l'assiette? Va te recoucher. Franchement, avec la tête que t'as... Hop. Alors finalement, j'ai pas été au stade. Franchement, je le sens pas. J'ai froid. En plus, il se remet à pleuvoir. Je suis pas en forme. Et puis j'ai du taf, voilà. Et ben non. Je sais qu'il a pas tort, hein, qu'il faut que je m'aille, que je sorte beaucoup plus. Mais quand t'as pas envie. Hein. Avant de, ah, ça fait bien, hein, vu d'ici. Mais je pense pas qu'il reste là. Il va peut-être aller dans l'autre pièce. On va voir. Je vais me faire une petite infusion à base de thym pour ma gorge. Et après, je monte pour m'avancer. Oui, il est quand même 4h. Hein. J'ai commencé à regarder Insta. Et puis, je me suis perdue dans les méandres des réseaux sociaux. Et toi, toujours avec ta bouillotte, j'ai l'impression. Hein? C'est pas possible. Et tu sais que maman, elle doit l'enlever, ça. Ça, c'est pas pour la bouillotte. Tu veux bien que maman l'enlève, ça? Voilà, je te redonne. Alors, elle donne quoi avec des lunettes? C'est formidable. Nickel, hein? Ça m'en fera une de plus. Je crois que je suis en train de faire une nouvelle collection des cachieux comme ça. Quand je vous dis qu'il fait la tête... Vous l'entendez ou pas? Non. La bouillotte, je veux bien, mais pas ça. Tu vas me l'abîmer. Maman fâchée. Mais...
Enfin, ça m'impressionne pas du tout cette papate. Non. Je vais me faire ça à la place de mon truc boisson chaude. J'ai jamais bu un truc aussi immonde. Immonde, mais c'est à base de thym, facilite la respiration et à combattre les refroidissements. Pour ma toux, c'est pas mal. Mais vraiment, faut être prévenu. Hein. C'est d'une amertume. Pff, laisse tomber. Bon, avant qu'il fasse trop nuit et que Eric rentre, je vais me faire ma sortie du jour. Je vais lire le pratique, l'utile à l'agréable. Je vais à la boulangerie. Oh et oh. Comme ça, quand il rentrera, je lui dirai que je suis sortie, que j'ai pris l'air. Et qu'en plus, eh ben, il a un petit goûter. Elle est pas bête la fille, hein. Je suis maline, hein. Cette parka doudoune Intersport là, je valide complètement. Il n'y avait plus grand chose. Bon, pour Eric, j'ai pris un flan classique parce que je sais qu'il adore ça. Et j'ai hésité, il y avait un feuilleté genre framboise, pas mal. J'ai pas pris, il était grand. Du coup, bon, je vais vous montrer, mais j'ai pris, en plus, j'en mange jamais un flan, mais genre des pépites de chocolat. Oh, it's time to turn on the light. Alors, ouais, même avec la lumière, c'est pas terrible. Je vous montre. Alors, voilà, comme je vous disais, hein, flan classique. Il y avait coco aussi, et puis bah, celui-ci. Alors, ce qui m'a pas mal plu, c'est de voir qu'il y avait une couche en bas gourmande de chocolat. J'ai envie de me faire une petite ambiance cosy avec, en mettant les bougies, le chandelier, vous savez que j'ai acheté là dernièrement. Genre petite ambiance musique classique dans 3, 2, 1. Ben voilà papa. Hein? Ça va, j'ai pas tout terminé. J'ai été t'acheter un petit goûter. Ah cool. Ouais. Merci. Je vais clôturer maintenant. Je vais vous dire à demain très certainement pour un tout nouveau vlog. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Allez, salut.